Bonjour, bonjour. Ben, j'ai décidé de tester les lives en direct. Alors, merci à ceux qui sont connectés, merci à ceux qui regardent le replay. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la comptabilité en tant qu'entrepreneur. Donc aujourd'hui, il fait beau, j'ai beaucoup de luminosité, c'est génial. On va essayer d'avancer en profitant de cette lumière qui nous apporte du bien-être et de la paix intérieure. Voilà. Donc, bonjour à tous ceux qui se connectent. Je suis Karine Duménil. Je vais me présenter. Voilà. J'ai fait ce live de façon totalement spontanée parce que c'est un format que j'ai envie de mieux utiliser aujourd'hui. Le live, c'est la vie. On le voit sur d'autres plateformes hein, comme TikTok, Instagram. Ça permet vraiment d'augmenter sa visibilité. Donc moi, je suis Karine Duménil. Je suis entrepreneur depuis plusieurs années aujourd'hui et j'accompagne les entrepreneurs à se développer. D'accord? Donc je fais de la formation. Je fais également de l'accompagnement au recrutement pour les petites entreprises. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la comptabilité. En quoi la comptabilité est-elle un élément de stress et de peur pour les entrepreneurs? Alors, pour revenir à ma présentation, désolée, je ne fais pas les choses complètement dans l'ordre, mon objectif, c'est aussi d'accompagner les entrepreneurs dans un but holistique. Comment la spiritualité peut vous aider à vous développer dans le business? C'est très important parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir le bon mindset, le bon état d'esprit pour sortir de votre zone de confort et ensuite atteindre vos objectifs. Voilà. Et comprendre des fois pourquoi votre entreprise marche bien ou pas. D'accord? Alors, aujourd'hui, la comptabilité, pour moi, quand j'ai commencé en tant qu'entrepreneur, c'était quelque chose de stressant, mais ça m'a paralysée pendant plusieurs années. Et puis, ensuite, je me suis posé les bonnes questions. Pourquoi ça me paralyse, pourquoi ça me stresse, pourquoi j'ai ce type de réaction, qu'est-ce qui me bloque en fait quand je dois passer à cette partie importante hein, de mon business et qu'est-ce que je ne mets pas en place pour que ça puisse être fluide. Voilà. La première question que je me suis posée, moi, ce que je vous conseille, c'est de voir les choses d'un point de vue spirituel. Si telle action génère telle réaction, ben, il faut se focaliser sur le pourquoi. Pourquoi je me sens stressée? Déjà, quelle émotion émane en fait de mon corps? Parce que l'émotion va m'envoyer un message et ce message, ben, je vais devoir l'analyser pour mieux ensuite m'ancrer dans mon environnement. Voilà, donc. S'il vous plaît, pour ceux qui arrivent, vous pouvez partager le live, hein, ce serait intéressant. Voilà. Voilà, moi j'aimerais voilà, comprendre ben, ce qui génère chez moi autant de stress, hein, finalement, et pourquoi ce stress me paralyse. Parce que moi, le stress, avec les années, je le gérais plutôt bien, et aujourd'hui, le stress me paralyse. Voilà. Donc, quelle méthode je mets en place pour ne plus me sentir attaquée par mon propre stress et me bloquer sur des choses qui finalement ne sont pas si catastrophiques que ça? Alors, dans mon fonctionnement, admettons que voilà, on arrive à l'heure du bilan, qu'est-ce qui me met dans un état où j'ai du mal à prendre contact avec mon comptable? La première des choses, c'est qu'on a l'impression que la comptabilité, c'est un flou artistique. Pourtant, moi, j'ai fait de la comptabilité pendant mes études et bah, déjà à l'époque, je comprenais absolument rien. Donc, j'ai créé ce blocage déjà au moment où j'étais étudiante. Et je me rappelle de mon prof de gestion qui me disait, mais non, c'est pas compliqué, c'est très simple, etc. Sauf que lui, il n'avait pas les termes, les bons termes, en fait, pour que je puisse me dire, bon ben, en vérité, effectivement, c'est simple. Surtout quand on est étudiante, qu'on n'a pas encore créé d'entreprise, qu'on nous demande de nous projeter dans le monde, dans la peau d'un entrepreneur, c'est encore plus compliqué. Donc, si vous n'avez pas encore créé votre entreprise et que vous ressentez ce stress vis-à-vis vis-à-vis de l'entrepreneuriat, vous inquiétez pas,
c'est normal. Ne vous inquiétez absolument pas, c'est normal. Voilà, parce qu'on ne peut pas vivre et ressentir et comprendre les choses si on est dans un environnement qu'on n'a pas encore vécu. C'est comme un vendeur, c'est comme un commercial. Un commercial qui n'aime pas ce qu'il vend, il ne va jamais le vendre. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Ensuite, la deuxième chose, quel lien vous entretenez avec votre comptable ? Est-ce que votre comptable, c'est quelqu'un qui vous fait votre bilan et basta ? Est-ce que c'est quelqu'un qui est attentionné ? Est-ce que c'est quelqu'un qui partage les mêmes valeurs que vous ? Est-ce que c'est quelqu'un qui comprend votre business ? Est-ce que c'est quelqu'un qui aime votre business ? Est-ce qu'il est là juste pour encaisser et ciao ? Voilà. Il faut aussi que vous puissiez faire le choix du bon comptable. Et puis ensuite, en fonction de la taille aussi de votre entreprise, est-ce que votre entreprise est là pour vous bloquer, pour quelle est la mission en fait que vous mettez que vous investissez au sein de votre entreprise? Est-ce que c'est quelque chose qui est là pour qui est juste alimentaire? Est-ce que vous vous sentez investi d'une mission en mode Avengers au-delà de ce que l'on voit du monde visible? Voilà. Est-ce que vous dispersez, vous partagez de la lumière dans ce que vous voulez faire? Voilà. En quoi votre mission d'entrepreneur va vous permettre de mettre en place des actions vous permettant de garder votre motivation? D'accord? Donc ça, on pourra le voir ensemble tout au long de nos lives et faire en sorte que vous puissiez me poser aussi vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le live. Ensuite, quand cette émotion de stress, de paralysie, de blocage naît de la comptabilité, c'est que vous n'y comprenez rien en fait. C'est tout. C'est quand on ne comprend pas bien les choses, ben forcément, on est dans, on n'est pas dans le renouveau, on n'est pas dans la... On crée des blocages, on est dans un nuage, dans quelque chose de sombre, on navigue à vue. Et pourtant, c'est quelque chose d'important, la comptabilité. C'est ce qui va vous permettre d'avoir des ratios, de mieux comprendre votre trésorerie, d'avoir un meilleur partenariat avec votre banquier. C'est très, très important. Donc moi, en tant qu'artiste, pour moi, mon métier me permet de mettre de la lumière sur les autres. Donc moi qui a été stressée par ça, comment je peux partager avec vous cette visibilité et cette capacité à transcender en fait cette difficulté. Donc quand cette émotion arrive et vous bloque, il faut comprendre pourquoi elle vous bloque. Et ensuite, il faut essayer de l'accueillir pour comprendre le message qu'il y a à travers ce stress. Il y a deux messages possibles. Après, tout le monde est différent. Hein. Je détiens aucune vérité. Si vous êtes stressé par ça, c'est peut-être que vous avez votre peur est peut-être liée au syndrome de l'imposteur, au fait que vous vous auto-sabotiez, au fait que vous pensiez que la réussite n'est pas faite pour vous. Voilà. Qu'est-ce qui... dans votre fonctionnement, dans votre passif, dans votre vécu, vous ramène à cette difficulté que vous avez avec l'argent, en fait. Ouais. Repousser la compta, ça veut dire aussi qu'on rejette les problèmes, qu'on rejette le bonheur de recevoir de l'argent. Voilà. Si vous êtes dans cette situation-là, comment accueillir l'argent ? Mettez de l'amour sur la compta. Alors, ça a l'air simple, dit comme ça, mettez de l'amour sur la compta. Tous les jours, vous pouvez vous écrire une petite phrase en disant un mantra, vous faire un mantra en vous disant « J'aime la comptabilité. Je l'aime parce que c'est ce qui va me permettre de continuer mon activité. Je l'aime aussi parce que c'est ce qui va me permettre d'être dans l'abondance. Et le fait de pouvoir être dans l'abondance va me permettre de continuer à partager avec tout un chacun ma mission de vie. » C'est un exemple, hein, d'accord ? C'est un exemple comme un autre. Faites vos rituels, allumez vos bougies, faites en sorte d'être en paix et aligné quand vous commencez à mettre en place votre compta. Voilà. Ça, c'est important, cette partie où
vous préparez votre mental, en fait, pour vous mettre dans le concret est très, très importante. D'accord ? Essayez de trouver les bons outils, mais en tout cas, essayez d'utiliser la méditation, l'hypnose, utilisez tous les outils que vous voulez et faites en sorte de vous adapter pour canaliser la peur. Voilà. Et ça, je le dis aussi pour moi-même, parce que ça m'arrive aussi, moi, de retomber quand mon énergie baisse, en fait, de retomber dans ces travers-là. Et tout de suite, quand je mets en place mes outils spirituels, ben, ça va tout de suite mieux. Si ça prend du temps, ben, laissez-vous le temps de digérer toutes les informations et d'aller vers votre succès. D'accord ? Ensuite, maintenant qu'on a travaillé la partie spirituelle, qu'on a travaillé la partie énergétique, qu'on s'est aligné pour aller vers l'objectif, comment on peut concrétiser ça dans la matière ? Si la comptabilité vous paraît compliquée, quels sont les outils que vous avez mis en place en interne pour simplifier en fait votre démarche ? Ça, c'est super important de comprendre la démarche dans laquelle on est. Si vous déléguez votre comptabilité à une personne et que vous n'y comprenez rien, ben vous serez toujours stressé. Parce que vous remettez votre abondance entre les mains d'une personne qui n'est pas dans l'entreprise et si cette personne ne partage pas votre système de valeurs, ben ça veut dire que cette personne-là va aussi mettre une énergie qui ne sera pas toujours positive sur votre comptabilité et donc sur votre abondance. Ok ? Voilà. Moi, ce que j'ai pu voir aussi dans mon parcours, c'est que quand on commence à essayer de comprendre les choses par soi-même, tout va beaucoup mieux. Quand on se fait expliquer les choses par une personne qui est compétente, bienveillante, qui essaie de comprendre l'origine de nos problèmes, à ce moment-là, on peut se diriger vers une voie de guérison qui permettra d'attirer l'abondance. D'accord ? Et d'ailleurs, ça me donne même envie de changer de titre. Au lieu de mettre la comptabilité, c'est compliqué, je vais mettre la comptabilité, c'est l'abondance. Et oui, la comptabilité, c'est l'abondance. Voilà. Donc, si on est stressé par cette comptabilité, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ben pour générer un peu plus d'abondance et de calme et moins de stress. Déjà, la comptabilité va vous permettre de mieux comprendre votre entreprise. C'est ce qui va vous permettre de comprendre si vous gagnez de l'argent ou si vous en perdez. Si vous n'avez pas de compte entre les mains, vous naviguez à vue. D'accord ? Ça va vous permettre de prendre des décisions. C'est un outil de décision. D'accord ? Ça va vous permettre de vous projeter. Donc, ça n'est en rien quelque chose de stressant. Ça doit être quelque chose qui doit vous apaiser et vous calmer. Sauf que la façon dont on présente les choses ne sont pas toujours... les mots utilisés en compta ne parlent pas toujours. C'est toujours très compliqué. C'est toujours des mots très savants. OK ? Dans ce cas-là, quels outils vous utilisez ? Ouais. Quels sont les outils que vous utilisez pour développer votre entreprise en matière de comptabilité, de finance et de fiscalité. Quels sont les outils que vous utilisez pour aller vers cette abondance, en fait ? Moi, j'aimerais bien comprendre comment vous fonctionnez. Et si vous n'avez pas encore lancé votre entreprise, qu'est-ce que vous avez prévu d'utiliser comme outil pour pouvoir... développer cette partie de cette fonction dans l'entreprise. Moi, je travaille avec un outil qui s'appelle Indie, d'accord ? Et cet outil Indie est vraiment génial. C'est un outil qui est génial, avec lequel tout est simplifié. C'est un outil qui est très pédagogique. Si vous y connaissez rien, vous allez voir que tout se passera bien. Voilà, j'essaie de partager le live. Voilà. Hop. Hop là. Et voilà, j'ai repartagé le live. Et donc du coup, c'est ce qui va vous permettre
de concrétiser ce que vous avez pensé, le mettre dans la matière. Donc, quand je le mets dans la matière, j'utilise l'outil INDI. Et INDI, en fait, va me permettre, de façon très pédagogique et très simple, de mettre en place ma comptabilité, avec ou sans comptable. Et ça, c'est important. Ça dépendra aussi de votre statut, si vous êtes imposé sur le revenu ou imposé sur les sociétés. Mmh. Ça va vous permettre aussi de mieux comprendre les obligations comptables, hein, le grand livre, votre journal de recettes, votre journal de dépenses. Voilà, tout ça va vous permettre. C'est un petit outil qui ne coûte pas cher, vous avez un abonnement tous les mois, et qui, moi, m'a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé dans mon quotidien d'entrepreneur. Donc, si tu veux que je t'explique un peu mieux INDI, ben, tu peux m'envoyer un message sur mon Instagram ou laisser un commentaire sous la vidéo, hein, carrément. Et puis, à ce moment-là, on devra échanger ensemble pour que je puisse t'expliquer un peu mieux les choses. Voilà. Donc, si je dois résumer un petit peu ces 15 minutes de live, c'est que INDI, alors je reprends du début, tu dois travailler l'émotion qui génère du stress quand on te parle de comptabilité. Tu dois aussi générer, écrire, passer un contrat avec toi-même où tu vas baisser le stress et revenir au calme sur ce qui génère, sur ce qui réveille ton stress. Tu vas écouter cette émotion et tu vas ensuite la mettre au service de ce que tu fais. Ensuite, pour matérialiser tout ça dans la matière, être dans le concret, tu vas choisir un outil qui va te permettre de mieux comprendre ta comptabilité, parce que si tu te sens stressé, c'est aussi parce que ben, tu ne comprends pas très bien les choses. Voilà. Ben, j'espère que je vous ai aidé. J'espère que ce live vous a plu. Et ben, si vous avez des questions, je vais essayer d'en refaire, de mieux formaliser ces lives-là, donner un titre, un rendez-vous. Voilà, je pense que je vais les appeler les Open Up Live. Et donc, du coup, on va plutôt parler de vos problématiques et surtout mettre la spiritualité au service de vos entreprises. Voilà, je vous fais des bisous. Si vous avez des idées de thématiques, mettez-les en commentaire, je serai heureuse d'y répondre. Voilà. Allez, ciao, à bientôt.